sujet, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux variants dangereux qui circulent en France ou sur le reste de la planète. Ce qui circule aujourd'hui, c'est Omicron et son petit frère, le cousin germain, le BA2. On savait qu'il y aurait un risque de rebond, on le constate. Il n'est pas d'ailleurs français. Et si vous me posez la question de savoir s'il y avait une corrélation entre le fait qu'on ait levé des restrictions et le rebond épidémique, je vous dirais, regardez l'Allemagne, regardez l'Italie. Ils connaissent un rebond épidémique alors qu'ils ont maintenu le pass sanitaire et parfois le pass vaccinal, qu'ils ont maintenu le port de masque dans les lieux fermés. En Italie, c'est même le FFP2 qui est obligatoire dans les commerces. Ils ont le même rebond que nous. Je jure, moi, je me dis à l'écoute. Je veux dire, parce qu'on serait... Ils pourraient dire l'exact contraire dans la même situation. Ces gens sont formidables. Non ? Vous ne trouvez pas ? La pause. À tout de suite.